Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas entrée, il n'y a pas sortie. On nous avait obligés de payer ces gens-là, donc les endommager. Et avec un montant à chacun, 75 000 dollars. L'entreprise avait accepté, nous avons donné un acompte de 25 000 dollars. Sur 100 000. Sur 100 000. On a négocié pour que ça se fasse d'une manière échelonnée. Mais nous étions surpris de voir d'abord c'était le parquet général qui avait fermé l'entreprise pour raison d'enquête. Après, le parquet général avait accepté et nous avait autorisé de rouvrir l'entreprise. Maintenant, Kimbuta va écrire pour demander à M. le général Kassongo d'arrêter toutes les activités dans cette entreprise. Et on n'a même pas accès dans nos bureaux. Aujourd'hui, nous sommes toujours dehors. Alors on se demande, dans ce pays, il n'y a pas la loi, quand la justice nous autorise de reprendre les activités, mais c'est le gouverneur, et quel droit il peut fermer? Donc il est au-dessus de la loi. C'est ça le vrai problème qui se passe ici. Aujourd'hui, vous avez la copie du jugement? On a tous les documents. On a tout. Mais malheureusement, le bureau est fermé. On ne veut pas qu'on entre là-bas. C'est ça le vrai problème. Merci d'être venu. En tout cas, cette situation date un peu de 5 mois passés. Voyez-vous-même, nous sommes de responsables, pères de famille. Aujourd'hui, on nous met dehors injustement par une volonté des individus. Aujourd'hui, nous disons merci à Dieu parce que nous sommes déjà dans la 5e République, une République qui prône pour le droit et pour la justice. Notre feu papa, paix à son âme, le docteur Étienne Tshisekedi, a dit que le peuple d'abord. Voilà pourquoi nous avons appelé, pas comme étant un parti politique, mais d'abord comme notre interlocuteur. Étant donné que vous êtes l'élu du Mouamba, que nous avons aussi voté. Vous étiez parmi ceux qui ont raflé beaucoup plus de suffrages lors des élections du décembre dernier. Alors, nous, ce que nous déplorons ici, nous avons le jugement qui a été rendu. La copie est là, les documents sont en fonctionnement. Mais ce qui nous surprend, on est là 2-3 semaines après, il y a des militaires. Avec toutes les parties en conflit, notamment la famille des victimes. Il y a un montant, comme venait de dire le chef, de 75 000 dollars qui devrait être versé par chaque famille. Nous avons versé 25 000 dollars la première tranche. On se préparait pour aller donner la deuxième tranche. Subitement, on a fermé, suspendu toutes les activités. Où sortira cet argent? Nous-mêmes, nous sommes victimes. Nous sommes à un jour de la fin du mois. Comment est-ce que nous allons payer? Moi, j'ai 4 enfants qui étudient. Pas seulement moi, toutes les familles ici. C'est pourquoi nous vous avons appelé pour venir prendre connaissance et que notre voix soit soulevée jusqu'à la hiérarchie. Que le président puisse s'impliquer. Nous ne sommes plus dans une république où la loi doit être manipulée, la justice, parce que M. Salé, de plein victoire, réclame Fab Congo, parce que nous devons clamer tout haut. Parce que ce qui se passe est caché, mais nous devons le révéler, étant donné que vous êtes. Donc il veut assez que Fab Congo soit fermé pour que Mino Congo puisse fonctionner tout doucement. Mais pourtant, nous sommes dans une période où il doit y avoir la concurrence. Notamment Fab Congo est la troisième minoterie en République démocratique du Congo. Après Midema, il y a eu Mino Congo. Aujourd'hui, c'est le temps de Fab Congo. Nous ne sommes qu'à une année, voilà ce qu'on nous impute comme injustice. C'est pourquoi nous vous avons fait appel pour venir vraiment vous investir et vous impliquer
personnellement et avec l'implication du chef de l'État pour nous remettre dans nos droits. Les bureaux sont fermés. Comment est-ce que nous serons payés? Nos patrons sont dehors. Ce sont eux qui ont mis de l'argent pour le bon fonctionnement de cette entreprise. Ils sont absents. Comment est-ce que l'entreprise va évoluer? Voilà, en tout cas, merci beaucoup, honorable, pour être venu. Je suis venu ici m'enquérir de ce qui se passe à Pape Congo parce que, comme vous le savez bien, je suis député national et cela se passe dans ma circonscription électorale. Donc, ce que je viens de constater ici est grave. C'est grave dans le sens où je ne sais pas qualifier parce que moi-même je me dis nous sommes dans un état ou dans un non-état. Voilà. Lorsqu'il y a une décision de justice, tout le monde s'incline. Je me rends compte que l'entreprise ou la minoterie Fab Congo est victime d'une manipulation qui foule aux pieds les lois dans notre pays. Voilà. Parce que cette décision unilatérale du gouverneur énerve même notre code en matière d'investissement. Nous avons aujourd'hui le nouveau pouvoir s'investit dans la logique de créer des emplois, mais je me rends compte ici qu'il y a des individus qui n'en veulent pas et qui tuent des emplois existants. C'est inacceptable. Et au sortir d'ici, je vais faire des recommandations au gouverneur parce que je constate tout simplement que sa décision est unilatérale inique. Et ça viole nos lois, les lois du pays, et même une décision de justice. Donc, je vais lui demander de lever la mesure et que l'entreprise fonctionne comme d'habitude. Voilà. Parce que ce qui m'intéresse le plus dans ce dossier, c'est le 300 familles, donc le 300 travailleurs de cette entreprise qui sont jetés au chômage. Et je m'imagine les conséquences que vivent tous les membres des familles des travailleurs de cette entreprise. Les travailleurs doivent commencer à travailler le plus tôt possible pour que ces enfants, ces femmes puissent vivre normalement. Nous ne pouvons jamais accepter. Et les gens doivent comprendre que les choses ont changé dans ces pays. Personne n'a le droit de s'attaquer aux intérêts des Congolais. Et personne n'a le droit de fouler aux pieds les décisions de justice. Voilà. Et si cela n'est pas compris, je pense que nous ne voulons pas dire ici que nous allons appuyer sur la vitesse supérieure, mais nous serons obligés de tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes qui travaillent dans cette entreprise recouvrent leurs droits. Voilà. Kaka ndenge bomoni naye awa parce que nayoka kimbela ya ba compatriotes na biso bazali kolela. Balobi ete gouverneur ya ville province à Kinshasa a kangi entreprise na bango d'autorité. Nayaki nanu ko vérifier. Na ba vérification nanga na moni ete ezali makambo moko tokoki kondimate. Ezali makambo soni que na mboka na biso batu babanda kosaka na mibeko, babanda kozwa décision en insécurisant plusieurs familles. Donc na constaté que ezali décision moko oyo mutazwi parce que il y a une main noire derrière, parce que ba intérêt ya ba individu, un petit groupe d'individus ezali si ma décision ana na lobby awa ko tokoki kondima makambo na te. Esengeli gouverneur à revoir décision nae ezali unilatéral, ezali unique, ezali ko énerver code d'investissement na biso, ezali même ko violer décision en justice, ezali ko réhabiliter entreprise ko ebanda misala na yango. O ezali meminga wa mingi. Ezali sort il y a ba travailleurs et entreprises. Voilà. Condition au bazali pour imposer ba famille na bango. Parce que bazali na bana, bazali na basi pe bana mibali. Donc le lot économie mboka na biso ezali fragilisé. De un. Et puis intérêt ya bande ko na biso bazali ko sala ezali bafoué.
Donc, tu es le gouverneur à Longola. Mobeko na yona na Lombango. Vraiment. De peur que toya kolobate ke to lingito za vitesse supérieure. Donc a to singé na mo mikolé za liko ya lobby ou lobby kuna. Musale bandawa ba famille ya ba travailleurs ba ni retrouver ndenge za laka na comme d'habitude. Merci beaucoup. Approchez tous. Oui. Je constate que vous avez raison. Ok. Mais maintenant, na bino, nenge ba batindi ba policier na bango. Ok. Bino bo bima libandana. Oui. Bak anga ba porte. Ok. Et maintenant même, nazali ko lukaneli na ko contacter ba tunyo swana de façon que ba lungola ba tuna bango yo parce que les gens na bango ezali mabe. Vraiment. Et je vous promets ceci. Ok. En tout temps, tu causes à la prêt à peuple. Ok. Jamais tu cotica intérêt à peuple est à la noyer. Merci. Je constate que. Parce que voilà, ça ce n'est pas oublié. Tout à fait. Et puis, ils allaient créer un emploi. Voilà. On ne voit pas pourquoi est-ce que Moutakio Longwa Musika et pas Nabangokuna et la loi. Comme ça la loi, la loi n'a pas besoin d'aller cognac à Yango. Wana to kondima Yangote. Soki 48 heures et les qui est que remettre Bino à ma droite, donc vous me verrez à la vitesse supérieure. Ok.